réinscription au transport scolaire. Rappel, ne peuvent être inscrits au transport scolaire que les enfants âgés de 3 ans révolus au moment de l'inscription. Vous avez déjà inscrit votre enfant et vous souhaitez renouveler sa carte de transport scolaire? Pour cela, vous aurez besoin des documents suivants au format numérique. Un justificatif de domicile de l'année en cours. Une attestation d'inscription scolaire pour l'année 2023-2024 ou une copie du carnet de correspondance ou une attestation sur l'honneur, modèle disponible dans l'onglet « Informations du site ». Pour les enfants de 3 ans révolus, le livret de famille ou l'extrait d'acte de naissance ou la pièce d'identité de l'enfant. L'avis de transport ou notification MMPH à jour. L'attestation d'inscription à l'internat 2023-2024. Et enfin, une photo d'identité récente de votre enfant. Sélectionnez l'option « Réinscription ». Cliquez sur « Accéder à votre espace ». Vous allez vous identifier, mais attention, la plateforme d'inscription au transport scolaire étant nouvelle, veillez à obligatoirement cliquer sur « J'ai oublié mon mot de passe » et suivez les instructions pour le réinitialiser. Puis, connectez-vous avec vos nouveaux identifiants pour accéder à votre espace. Vous êtes maintenant prêt à commencer le renouvellement de l'inscription de votre enfant. Dans la section « Mes dossiers », vous verrez que le statut de votre enfant est indiqué comme « Expiré ». C'est cela que nous allons mettre à jour. Cliquez sur « Renouveler », puis « Renouveler le dossier ». Vérifiez les données pré-remplies et mettez-les à jour si nécessaire. Importez les justificatifs dans le dossier, cochez les cases, puis cliquez sur « Renouveler ». Voilà, le renouvellement de la carte de transport scolaire de votre enfant est terminé. Pour connaître la procédure de paiement, je vous invite à suivre le tutoriel « Comment régler l'abonnement » également disponible sur le site.